Bonjour, bienvenue sur Scooter Mekaboîte. Aujourd'hui, présentation de la nouvelle voiture sans permis. Une Exam 400 SL. Euh, donc j'ai quelques petits frais à faire dessus. La voiture je l'ai acheté vraiment pas cher, je l'ai acheté que 350 euros. Donc je dois changer le moteur. Ce moteur a énormément de mal à démarrer, aussi bien froid qu'à chaud. On a un problème de préchauffage dessus. La fixation du moteur de lève vitre côté conducteur est cassée. Donc il faut que je change la patte de fixation. Et la vitre avant droite marche une fois sur deux euh, donc peut-être les interrupteurs à changer j'ai l'aile arrière gauche à changer donc celle là parce que les fixations de vitres sont cassées j'ai la vitre elle est là j'en ai d'autres d'avance alors vous allez me dire ouais t'as acheté une, une épave tout alors non parce que la voiture je l'ai acheté que 350 euros cette voiture il coûtait quand même 4000 balles euh, entre 4000 et 4005. Et j'ai énormément de pièces avec. Euh, j'en ai au, à mon sous-sol, j'en ai dans le garage d'un ami et j'en ai encore qui doivent arriver. Dont un deuxième moteur. Elle n'a pas les jantes d'origine. Normalement, sur la Superlux, donc la SL, c'est des jantes Alu, sauf qu'elles n'y étaient pas quand j'ai eu la voiture. Moi, je vais remettre les jantes de Virgo en attendant dessus. Parce que là, j'ai un pneu et De l'autre côté, j'ai un Michelin. Euh, derrière c'est un Hankook et de l'autre côté un Michelin aussi Donc euh, et les quatre pneus n'ont pas la même usure donc euh, je vais remettre les pneus de la Virgo en attendant, donc ils sont un petit peu plus fins c'est en dépannage et j'ai trouvé un lot de quatre jantes à quatre pneus neufs à 150 euros donc dès que je peux je les prends je vais changer le capot aussi parce que j'ai le, le truc du lac vitre qui est bouché le capot je l'ai, ça c'est pas le problème bon il n'y a pas de la même couleur mais bon on s'en fout le, le la vitre est bouché dessus, donc voilà. Je change le tableau de bord parce que le tableau de bord, sur cette version, il n'y a pas de boîte à gants. Et j'ai un tableau de bord avec euh, boîte à gants. Donc voilà. Euh, niveau électrique, mis à part le préchauffage, tout fonctionne. Enfin maintenant, euh, à part les vitres. Là, comme je vous disais, j'ai la fixation du du moteur de lève-vitre qui est cassé Donc je vais changer cette pièce, le gars me donne une autre portière mais la portière est cassée au niveau du montant j'ai vu que c'est vissé là donc je vais enlever cette fixation là, je vais enlever de là, percer le rivet pop d'ailleurs euh, je ne sais pas depuis quand on fixe un moteur avec des rivets pop maintenant euh, je vais la refixer d'origine mais je vais faire également une patte de renfort qui va partir de là jusqu'à là alors ça c'est pour les voitures qui n'ont pas de vitres électriques c'est pour celles qu'on les manivelles donc euh, ça c'est bien le jour où l'électrique des vitres me saoule bah, je mettrai des manivelles et puis c'est tout euh, donc voilà il y a quelques frais à faire dessus mais vu le prix que j'ai payé à la voiture euh, on va pas se plaindre hein, parce que comme je vous ai dit ces bagnoles là ça coûte euh, la peau du cul euh, j'ai des amortisseurs à faire les quatre amortisseurs je viens de perdre la tirette euh, d'ouverture du, du de la porte ouais, c'est du fait qu'il n'y a pas le panneau de porte je l'ai mais c'est moi qui l'ai enlevé donc voilà donc il y a quelques frais à faire dessus je pourrais pas vous filmer l'avancement de la mécanique il faut que j'avance un maximum Allez là. il faut que j'avance un maximum dessus donc euh, je peux pas vraiment me permettre de, de tout filmer là donc voilà elle a les vitres électriques. Les moteurs fonctionnent. Ça, là-dessus, il y a pas de problème. Parce que dès que je branche la batterie, ça les actionne. Dès que je la débranche, ça les désactionne. Donc, ça, là-dessus, y a pas de problème. J ai, il y a juste que j'ai pas la télécommande. Mais ça, c'est pas méchant. Et je peux fermer à la clé. C'est pas trop le problème. Voilà. Donc, bonjour, bonjour. Donc, voilà plusieurs jours après. Vous voyez, je suis tout noir. C'est pas étonnant. Je suis sur la nouvelle voiture. Je dois changer les amortisseurs avant. Merci Exam. Je vous montre. Donc ça fait maintenant plus d'une heure que je suis en train de me faire chier sur un putain d'écrou de merde. J'y ai vidé une bombe de WD40 complète. Une comme ça. une 220 millilitres J'ai pas de place pour défaire ce putain d'amorto. je peux pas passer de, de de clé comme je veux et tout surtout qu'il faut quand même mettre une laine pour pouvoir tenir la, 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 la tige euh, à l'intérieur à savoir que de ce côté là c'est plus accessible pourquoi ils en ont pas fait autant de ce côté là c'est comme pour le phare le jour que je vais cramer une ampoule de nuit sur ce côté-là, je vais en chier comme pas permis, donc euh, je les démonte et je montrerai les nouveaux demain. Bon, bah, c'est mort. La tête du haut est froirée. Voilà. Tout ça pourquoi Parce que c'est grippé comme, euh, comme je sais pas quoi. Là, pas étonnant. Il n'y a pas de pare sur cette voiture, donc euh, voilà, c'est pas étonnant. Voilà, ça s'est pris toute la terre dans la gueule en 24 ans. Et ben voilà, Comme ça, c'est génial, je peux pas la défaire. Donc, la solution va se passer que demain, par chance, on m'a prêté une, une disqueuse à batterie. Je vais pas me faire chier. Je vais couper la à la hauteur du vérin en haut. Pas le choix. Je vais couper l'amortisseur. Je vais euh, bloquer avec une pincette au et euh, on va prier que ça se dévisse. Je tiens à préciser que c'est pas du tout accessible sur celle-là. Franchement, regardez. Voilà, voilà où qu'il est la morteau. Je passe les mains comment. Bande de cons. Voilà. Il faut savoir que cette voiture est toujours construite. Hein. Bon, pas avec les mêmes phares, mais elle est toujours construite. Donc... Euh... L'autre côté est plus accessible. Normalement, il ne va pas m'emmerder. Je peux pas passer un cliquet, je peux rien faire. Et encore, ils auraient foutu, ils auraient fait un trou là, ici, avec une rallonge, douille de 16, rallonge cardan, avec la choc ça serait venu. Mais non, on préfère faire un trou ici. Alors que de l'autre côté, et on fait les choses mieux. Alors autant tout ce qui est moteur, ça se démonte bien. Autant tout ce qui est amorto. Euh, du moins pour les avant. C'est une merde. Bon, je vais essayer de défaire l'autre côté, du coup. Puis euh, voilà. Donc nouvelle petite rush. J'ai tout retiré de ce côté-là, ça y est. L'amorto, j'ai découpé le ressort. J'ai bloqué avec une eau, Clé à choc. Et c'est venu. Là, il restera... La morteau à démonter, le pivot et le triangle, parce que je, je change toutes les rotules. Donc euh, voilà. J'ai enlevé les étriers de frein parce que euh, bah, les pistons restent grippés. Normalement, quand on freine, le piston il sort. Quand on relâche les freins, le piston est censé re-rentrer. Et là, ce n'est pas le cas. Il reste bloqué. Donc les, ça veut dire que les étriers sont grippés. Donc euh, les étriers, je les emmène à la maison. Je vais me foutre sur l'établi avec le compresseur pour essayer de sortir les pistons. Sans me le prendre dans la gueule, ça serait bien. Donc, ça, je ferai ça un peu plus tard. Hein. Ça va pas être l'immédiat. Euh, je mets du liquide de frein intégralement neuf dedans. Et euh, je repurgerai l'intégralité des freins de la voiture. Comme ça, au moins, on repart sur une base saine. Le coup des étriers avant, je l'avais eu sur le problème-là sur la Virgo. Donc, euh, je vais refaire la même chose que j'ai fait sur celle-là. Donc euh, rebonjour, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, la voiture n'a pas beaucoup avancé, j'avais remonté le moteur, je l'ai ressorti, démarre pas. Moteur HS, donc euh, on va monter celui qui était fourni euh, en supplément. Il n'y avait plus de compression. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai refait le faisceau moteur, euh, je l'ai refait au propre. Hein. Parce que c'était un petit peu... Un petit peu de la merde ce qui avait été fait. Euh, je ne, il y a un truc que je comprends pas. J'ai toujours un petit problème de préchauffage sur la voiture. Donc là, j'ai remis le boîtier de préchauffage qui est là d'origine. Je mets le contact, le voyant s'allume. Mais il se coupe aussi sec. Euh, je vais vous montrer éventuellement. Si j'ai pas un plus qui touche à un moins, ça serait bien. Mais euh, ouais, il y a un truc, un problème au niveau du préchauffage sur cette bagnole. J'ai pas la clé. Alors là, je sais pas si ça va s'allumer du fait que tout est débranché au niveau du moteur, mais ouais, si, il s'allume. Donc le voyant s'allume, il s'éteint. Si je remets le contact, il s'allume et il s'éteint. Par contre, si je change le boîtier de préchauffage, j'en ai deux neufs. J'ai celui-là, aussi, qui est neuf. Euh, je l'ai testé sur une 400.4, qui a le même boîtier de préchauffage. Et ça fonctionne. On va le poser là pour le moment. On enlève celui-là, qui est celui d'origine de la voiture, qui fonctionne aussi. Je l'ai testé, le boîtier marche. Je l'ai testé sur notre bagnole et la voiture démarre avec. Là, je vous montre un des deux boîtiers de préchauffage. 9. Et là, normalement, il n'y a pas de voyant. L'enculé. Le voyant fonctionne maintenant. Il ne fonctionnait pas l'autre fois? L'autre fois, ça fonctionnait pas. Et là, ça marche. Bizarre, ça. D'ailleurs, à ce propos, je vous montre un truc tout de suite sur la voiture parce que ça fait déjà plusieurs fois que je me baise les pattes. Si vous travaillez sur cette voiture-là, euh, faites gaffe à ces trucs-là, là. Surtout quand vous êtes à ras de la voiture et que vous vous relevez, ça fait deux fois que je m'entaille les pattes dessus. Donc bah du coup celui-là. L'autre fois la voiture n'en voulait pas, maintenant elle en veut. Elle foutrait pas un petit peu de ma gueule celle-là. On va tester le deuxième. Pendant qu'on est là, si ça se trouve j'avais un, un problème de masse. Là rien n'est branché au niveau du moteur, donc euh, c'est quand même bizarre, quoi. C'est le deuxième que j'ai payé chez Pièce sans permis. Donc, voyons voir si celui-là fonctionne aussi. Et il marche aussi. Ok. Bon, et eh ben, on va le laisser dessus. Le 9, hein. Et ce que je ferais, c'est que bah, quand j'aurai remonté le, le nouveau moteur, je retesterai. Si je vois que ça marche pas, bah, c'est qu'il y a une couille au niveau des masses. Je vois que ça. Que je teste au multimètre, voir si la fonction préchauffage fonctionne. Euh, normalement, le préchauffage, c'est cette cosse-là. Oui, c'est celle-là. Et que je teste avec la masse. Voir si j'ai euh, de la continuité, si on peut dire. Ah bah c'est sûr que comme ça ça risquait pas de freiner. Hein. Je crois qu'il qu en, qu en manque un morceau là. Tout à ça on manquerait pas la garniture là-dessus. Bah je crois bien que si hein. Ah bah ça risquait pas de freiner. Hein. Pareil pour le frein main, ça risquait pas de marcher. Hein. Un peu limite dangereux ça pour le coup. Là c'est le renifleur, je pense pas que ça soit normal ça. rebonjour et euh, Norvla voilà sur la chaîne <coughs> donc j'ai déculassé le moteur donc j'avais changé le moteur à la base et l'autre moteur n'avait pas du tout de compression celui là avait un minimum de compression mais ne démarre pas à froid à part si je câble avec une autre bagnole <coughs> du coup j'en ai déduit qu'il y avait un problème de segmentation et je me suis pas gouré Je sais pas si ça va se voir. Enfin, J'essaye de ne pas trop bouger le téléphone. Donc le piston bouge, mais c'est les deux qui bougent. Et il y en a un qui bouge plus que l'autre. Celui-là, il bouge pas trop. Enfin, il bouge un peu quand même. Mais ça va encore par rapport à l'autre. Les trous qui étaient là de flotte, ils étaient bouchés. Ceux-là, ils étaient bouchés. Sur la culasse, euh, ils sont bouchés. Je ne les ai pas encore débouchés. Les petits là. La culasse, par chance, elle n'est pas fissurée. À savoir si maintenant, il faut jouer si les sièges de soupape sont bons. Apparemment, vu comme ça, ça a l'air d'être bon. Je l'ai un petit peu nettoyé. Il me manquait le joint torique qui vient là. Normalement, vous avez le joint de culasse. Je vais pas vous le remonter celui-là. Mais vous avez le joint de culasse qui vient comme ça. Normalement, il y a un joint torique qui vient au milieu. Et il n'y était pas. On peut voir que j'avais les... Un circuit de flotte là, par exemple, qui est bouché, Alors, pour vous donner un aperçu. C'est celui qui correspond à ça. Ça devrait faire cette taille-là. J'avais celui-là qui était également bouché. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, voilà pourquoi que la voiture démarre pas. Donc je pense qu'elle a surchauffé et ça a mangé les segments. Euh, là, le problème, c'est que j'ai encore du liquide d'infusion dedans. Dans le bloc, j'aurais bien voulu le vider parce que bah, là, il est contaminé par de la saleté. Euh, tête à la seringue, je vais essayer de vider au max à la seringue et puis on verra bien. Euh, au niveau dégraissage d'huile, des passages d'huile, ça a l'air d'être bon. Par contre, là, je vois qu'il y a de la merde dedans. Il faut que je l'enlève tout de suite. Euh, ouais, c'est un peu le, un peu la merde là pour le coup. Donc, rebonjour, rebonjour. Cette vidéo va être longue. Cette vidéo va être longue à tourner, longue à monter. Enfin, bref. Donc, je suis toujours sur la voiture sans permis. Ça fait maintenant un mois que j'ai acheté la voiture. Ça fait maintenant un mois que je bricole dessus. J'ai pas encore roulé avec. Alors, bon. C'est une voiture, j'ai acheté 350 euros. Je vais pas me plaindre non plus. Par contre, il euh, y a un truc qui me saoule. C'est les gens. Qui font de la mécanique sans savoir la faire. Alors, je vais m'expliquer. La voiture, depuis que je l'ai, elle démarre pas correctement. Le gars qui, qui me l'a vendu, je suis en train de boucher le micro. Je sais même pas si ça parle depuis tout à l'heure. Donc, si c'est bon, je bouchais pas le micro finalement. Bon, bref. J'étais en train de vous dire le gars quand il le gars qui m'a vendu la voiture, il avait il arrivait pas à la démarrer à froid. Donc euh, il avait foutu un interrupteur pour euh, foutre le préchauffage en manuel, c'est-à-dire avec un interrupteur. Et même avec ça, il avait encore du mal à démarrer même à chaud. Et euh, moi j'ai résolu le problème de préchauffage, c'était une une de masse qui faisait pas son contact. Mais j'ai toujours eu le même problème. À savoir qu'il a fallu câbler avec la voiture de mon père pour pouvoir la démarrer. Euh, je l'ai fait rouler un petit peu, donc moins de 7 km, hein, parce que je n'avais pas le pare-choc avant, pas de capot, pas de traverse avant. Et résultat, je l'ai laissé tourner une bonne demi-heure, trois quarts d'heure dans mon garage. Je l'ai éteinte, le lendemain je suis revenu, j'ai voulu la démarrer. Impossible de la démarrer. De là, j'en ai déduit, en sachant que j'avais un, un phénomène de, de blue-bye dessus c'est-à-dire euh, les gaz euh, qui ressortent par le cache culbuteur. J'en ai déduit qu'il y avait un problème de compression, effectivement, mais problème de compression dû à des conneries qui ont été faites sur ce moteur. Je ne parle pas du moteur en lui-même, de la conception du moteur, je parle de, des conneries qui ont été faites sur le moteur de le, du, pro, du propriétaire qui l'avait avant la personne qui me l'a vendu. La première chose, ils ont déculassé le moteur. Ils ont reculassé sans changer le joint de culasse. Première connerie. Deuxième connerie. Sur le joint de culasse, enfin du moins sur le Kubota Z402, vous avez le joint de culasse et il y a un endroit, c'est le, le circuit d'huile, vous avez un petit joint torique qui est bleu. Ils n'en ont pas remis du tout dessus. Ils n'ont même pas cherché à remettre le vieux ou quoi que ce soit. J'ai déculassé, il y était plus. Je vous montrerai où vient ce joint, ce joint après. Troisième problème la culasse, il y avait des vis qui n'étaient pas serrées. À savoir que sur le lombard je vous parle, je vais vous parler en même temps pour le Lombardini. Le Lombardini, on a six vis de fixation il n'y a pas vraiment d'ordre pour le démonter. En revanche, pour le Cubota Z402, on n'a pas 6 vis, on en a beaucoup plus. Donc, je vais vous dire ça. On en a 1, 2, 3, 4, 5... Attendez. C'est plus simple pour vous montrer autrement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11. Je crois qu'on a 11 vis, si je n'ai pas de conneries, Un, Une, deux. Attendez, je compte et je vous dis. Donc on a 11 vis de fixation. Euh, je mettrai en écrit euh, le, no le nombre exact parce que je suis pas sûr, parce que c'est un peu compliqué pour regarder, parce qu'il y a aussi les circuits d'eau, les circuits d'huile. Enfin bref. Euh, J'ai pas les vis là sur moi, donc je peux pas vous dire. Bref. Et, euh, contrairement au Lombardini, il y a un ordre pour le desserrage et un ordre pour le resserrage. Le truc, c'est que je sais pas dans quel ordre que ça a été démonté, je sais pas si ça a été démonté correctement. Déjà, ils n'ont pas été capables de remettre un joint de culasse neuf. Ça, ça fait deux fois que j'ai ce problème-là. La, la, la Virgo, c'était exactement le même problème. Ils avaient déculassé le moteur, ils ont reculassé sans changer le, le joint de culasse. Juste comme ça, quand vous, vous démontez une culasse sur n'importe quel moteur hein, thermique, hein, que ce soit du diesel, de l'essence, une mobilette, une 50, enfin une 50 si c'est des joints toriques, ça a été monté à la graisse encore, vous pouvez faire deux démontages, voilà. Mais tout ce qui est mobilette, scooter, euh, AR... Euh, voiture, moteur essence, moteur diesel, vous déculassez le joint qui est dessus, vous le prenez, poubelle, vous en mettez un neuf. Point. Donc, ça, c'est voilà, c'est le troisième problème. Quatrième problème, euh, la rampe de culbuteur qui a été montée un côté avec ses rondelles, un côté les coups directement sur le, la rampe de culbuteur. Ah bah, Elle va être à checker, voir si euh, l'endroit de fixation n'est pas massacré. Deuxième problème, euh, ça c'était le quatrième problème. Le cinquième problème, euh, là c'est. J'ai rigolé quand j'ai vu ça, enfin sur le coup j'ai rigolé, après je rigolais plus. Les injecteurs, en fait, euh, là-dessus c'est pas des injecteurs pompe comme chez Lombardini, c'est des injecteurs comme une voiture classique. Et vous avez des joints. Des joints qui viennent côté culasse. Je vais vous montrer ça après. Et en fait, il y avait l'injecteur côté passager qui était monté avec deux joints. Normalement, c'est un joint par injecteur. Éventuellement, quand on, les rample, quand on veut mettre du neuf, je ne sais pas, on enlève le vieux. Là, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu de fait, de merde assez. Je ne comprends pas. Mais ils ont monté euh, l'injecteur euh, côté passager, donc quand on est face au moteur, le côté gauche, et il a été monté avec deux joints cuivre. Donc déjà, on avait un injecteur qui était plus haut que l'autre. Donc déjà niveau euh, arrivé gasoil, well, déjà c'était pas top parce qu'on se retrouvait qu'un injecteur qui était plus haut que l'autre. Donc on avait un injecteur en fait qui pissait pas au même moment que l'autre. Donc déjà ça aide pas au niveau démarrage, ça aide pas au niveau puissance hein. déjà. Le l'autre problème que j'ai découvert, c'est un problème sans être un problème, je pense qu'ils ont dû remplacer la culasse parce que sur la culasse le boîtier de Carlosta montait sans joint. Éventuellement, on ne veut pas acheter de joint Ok, mais on met de la pâte à joint au minimum, hein. On pas le boîtier de carlosta à sec. On met de la, au minimum de la pâte à joint. Et là, c'est pas du tout ce qui a été fait. C'était monté à sec. Donc voilà, les joints de queue de soupape étaient morts. J'en ai trois. Les, quand j'ai démonté les soupapes, les soupapes sont tombées toutes seules à tel point qu'ils étaient morts. C'est moyen. Euh, joint de cache le cache culbuteur joint massacré alors même pas monté de pâte à joint hein. bon encore qu'on veuille pas remplacer le joint je peux comprendre parce que j'en ai acheté un et ça calme le prix hein. c'est plus de 10 euros le joint pour un joint torique qui est pas très grand en plus et euh, mais on met au minimum de la pâte moi je vais j'ai racheté un joint mais je vais quand même remettre de la pâte à joint ça c'est sûr euh, résultat euh, là je suis en train de nettoyer la culasse le plan de joint il a quand même un tout petit peu morflé quand même donc euh, j'attends d'avoir du papier de verre pour la passer au marbre euh, et j'espère qu'elle va être plane et j'espère surtout qu'elle n'est pas tordue. Normalement il n'y a pas de raison qu'elle soit tordue c'est une culasse fonte, c'est pas une culasse à lue Mais euh, voilà quoi. C'est un peu, un peu limite. Alors concernant le petit joint torique, en fait, il y a la base vous mettez le joint de culasse sur le bloc. J'ai pas le bloc là, il est au garage, hein. puis là il fait nuit, je peux pas vous montrer. Et vous avez une tétine qui dépasse du bloc qui vient là. C'est pour la... c'est pour l'arrivée d'huile. C'est pour que ça vienne graisser ici, euh, quelque part par là. Le truc, c'est que normalement, on a un petit joint torique bleu qui vient se mettre autour du machin. Ils l'ont pas monté. Donc ce qui fait que j'avais l'huile, bah qui arrivait partout, qui arrivait là dans les chambres et tout ça. D'ailleurs, si vous regardez bien. Je sais pas trop si ça va se voir, Si le focus il veut se faire correctement, ça m'arrangerait. On va passer sur celle-là, c'est la plus crade. Ça c'est une soupape c'est l'endroit c'est le conduit de la soupape d'admission côté conducteur, donc côté droit. Quand vous êtes face au moteur, regardez juste l'état. Est-ce que vous voyez de la calamine c'est pas voilà, là vous voyez bien le rouge c'est du papier à poncer parce que j'ai quand même fait un, un, pré, un pré surfaçage mais bon là, quand je vous disais que la culasse avait un petit peu morflé Alors regardez pourquoi je vous dis qu'elle a un petit peu morflé. Alors c'est pas énorme. Mais j'ai un impact ici. Je crois qu'il y avait autre chose aussi. Il y en a un léger là. On a des traces un petit peu partout. Là, on en a. Donc c'est pas énorme, hein, mais bon ça peut suffire. Là on a du transfert de joint. Du fait qu'ils ont démonté le joint, enfin ils ont démonté la là sans remplacer le joint, bah du coup euh, ça a fait la merde. Donc c'est génial. Donc ça bah. J'arriverai pas vraiment à le rattraper à 100%. Hein, et j'ai ça un petit peu partout. Hein. Là. Là. Et là. Au niveau des circuits d'eau. Donc la culasse, elle est déjà quand même pas trop mal. Hein. Elle est à peu près lisse. Hein. Maintenant, je vais quand même regarder déjà voir si elle est bien plate. Euh, J'espère qu'elle n'est pas tordue. J'ai une autre culasse, mais très clairement, ça me fait chier de... Parce que les guides de soupape sont bons. Et je suis pas vraiment sûr sur l'autre moteur que les guides soient bons. Parce que ce moteur avait 74 862 km quand j'ai acheté la voiture. L'autre moteur, j'ai également le compteur qui va avec et il a 107 112 km. Donc je ne suis pas vraiment sûr que sur l'autre, par contre, les, les guides de soupape soient bons. Donc ça me ferait chier. Quoi, que... Je pense que dans le doute, hein, je mettrais quand même un... sur le joint de culasse un petit filet de pâte à joint, pas côté bloc mais côté culasse, euh, à certains endroits en l'occurrence à ce niveau là à ce niveau là au niveau des trous d'eau à part si j'arrive à bien surfacer la culasse là euh, demain je vais acheter du papier de verre je vais acheter du grain 400 du grain 600 et, de près, et aussi du grain 1000 pour faire les finitions et euh, ce que je ferai c'est que bah, je, vais passer, je vais mettre ces feuilles à joints sur un marbre sur une plaque de marbre hein, donc euh, du vrai marbre hein. pas un marbre d'atelier hein, une vraie plaque de marbre L'idéal aurait été un barbe d'atelier, mais bon, si vous connaissez quelqu'un, si vous connaissez un site qui en vend, bah, vous m'appelez hein, parce que c'est pas faute de chercher et j'en trouve pas. Mais euh, je pense que là, ouais, il y, y a du taf sur la culasse du moteur, hein, ça c'est clair. Pareil, je fais la segmentation, Le problème c'est que bah, c'est des, des vis 12 pans, chose que je n'ai pas, sinon c'est pas marrant. Donc, voilà, donc euh, bah, là on va attaquer ça, je vais commencer à nettoyer un petit peu. Enfin, déjà contrôler un minimum la culasse. Si elle est pas 100% droite, ce sera peut-être les, les résidus qui restent dessus. Mais déjà, je vais déjà contrôler un minimum la culasse, L histoire de. Parce que si j'ai un décalage de 0,20, là, ça sera pas juste les résidus qui y a là. Hein. Ça sera que le fait que la culasse elle est, elle est voilée. Il bon, faut y aller quand même pour voiler une, une culasse. Hein. Mais bon, j'ai déjà vu pire sur une culasse comme ça. J'ai déjà vu euh, sur un Kubota Z402 une culasse suré là, là, là et là. Donc euh, des fois, des fois, il y a des sacrés trucs qui sont faits. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je retiens en courant et euh, je peux pas trop vous filmer. Hein. J'ai pas vraiment le temps de tout filmer. Euh, là, on se rend pas compte, mais ça fait un mois que je suis sur la voiture. J'ai du taf entre le moteur, l'habitacle. La carrosserie, un petit peu de carrosserie. J'ai l'échappement aussi à m'occuper. Il faut que je le démonte parce qu'il y a un problème dessus. Il ne tient pas vraiment correctement. Il manque une patte de fixation. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment le temps de filmer. Donc ça ne que des petits bouts filmés au portable. Voilà. Donc j'ai été démonter la culasse de l'autre moteur. Donc ça va juste être pour finir cette catégorie de rush. Alors le joint de torique qui était manquant sur le moteur, je vais vous le montrer tout de suite. Puisque sur l'autre moteur, je l'avais. C'est ce joint-là. Que je n'avais pas sur l'autre moteur. Donc voilà. Et c'est 10 vis qu'il y a au total. Donc euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 vis. Donc voilà. Ah, regarde, là on manque un bout. Ben, ça pouvait pas fonctionner.